on attaque une nouvelle série, cette fois-ci avec ISO 27000. ISO 27000 fait référence à une série de normes qui compte parmi les plus connues en sécurité de l'information. On verra en détail certaines de ces normes, notamment la fameuse ISO 27001. On entend beaucoup de choses à propos d'ISO 27001, dont pas mal d'approximations. Alors, on va essayer de remettre un petit peu les choses à plat, afin d'y voir plus clair. On s'intéressera aussi à d'autres normes qui lui sont associées, comme ISO 27002 ou ISO 27005. On verra quels sont les avantages qu'on peut tirer de ces normes, mais aussi quelles sont leurs limites. Mais avant toute chose, on va clarifier un peu ce qu'est l'ISO et comment la série ISO 27000 s'organise. L'ISO est un organisme de normalisation internationale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler à travers des choses comme le modèle OSI, si vous faites du réseau, ou bien la norme de qualité ISO 9001, qui était une certification très à la mode au début des années 2000. ISO signifie International Standard Organization. C'est une organisation assez ancienne. Elle a été fondée en 1947. L'ISO regroupe de nombreux membres, qui sont en fait des pays membres, un peu comme l'ONU. Il y a actuellement 165 pays membres. Le fonctionnement de l'ISO est le suivant. L'ISO peut produire des normes sur à peu près n'importe quel sujet. Le principe étant que dès qu'il y a une demande suffisamment forte pour aboutir à une norme, à un standard international, l'ISO va monter un groupe de travail. Ce groupe de travail va être composé d'universitaires, de professionnels, de personnes travaillant dans des agences gouvernementales, etc. En fait, la seule condition vraiment importante, c'est d'être expert dans le domaine en question. Dans un même groupe de travail, il ne peut pas y avoir plus d'un représentant par pays. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des pays membres soient représentés. Et donc, ces groupes de travail vont plancher pendant un certain temps, souvent plusieurs années, à l'élaboration de normes. Ces normes seront ensuite publiées par l'ISO. En fait, la publication des normes est la principale source de revenus de l'ISO. En effet, les normes ISO ne sont pas dans le domaine public. Si vous souhaitez utiliser ou consulter des normes ISO, vous devez vous les procurer auprès de l'ISO, moyennant finance. En ce qui concerne la série de normes ISO 27000, si on fait un petit historique, tout démarre en 1995. Cette année-là, un organisme de certification britannique, le British Standard Institute, publie la norme BS 7799. Cette norme, c'est la description des exigences pour mettre en place un ISMS, autrement dit, un système de management de la sécurité de l'information. Cette norme, elle est reprise à peu près telle qu'elle en 2005 par l'ISO, pour en faire une norme internationale. Il s'agit de la première version d'ISO 27001, qui s'accompagne de la publication d'un certain nombre d'autres normes, dont notamment ISO 27002. À l'époque, ISO 27001 est vraiment un simple copier-coller du standard qui avait été créé par les Britanniques. Et puis en 2013, il y a une mise à jour majeure d'ISO 27001. Suite à cette mise à jour, le plan de la norme devient beaucoup plus cohérent. Il y a moins de répétitions, la norme devient plus simple, plus lisible. Elle oblige à citer clairement le but de la démarche, c'est-à-dire pour qui on fait ça, pourquoi on fait ça, etc. On formalise ainsi les attentes des parties prenantes. La série ISO 27000 ne se limite pas à ISO 27001.
En fait, il y a actuellement une trentaine de normes dans ISO 27001. Mais les plus importantes, ce sont ISO 27001, qui décrit ce qu'est un ISMS. C'est une norme certifiante, c'est-à-dire qu'on peut se faire certifier ISO 27001. ISO 27002, qui est en quelque sorte un catalogue des bonnes pratiques en sécurité. ISO 27005, qui s'intéresse à l'analyse de risque, au traitement des risques, donc tout ce qui est risk management. Et puis après, il y a d'autres normes. D'une part, des normes de support, qui précisent des modalités, par exemple, comment mener un audit, etc. Et puis d'autre part, des normes plus spécialisées pour des domaines spécifiques, par exemple, pour les fournisseurs de services cloud, pour le secteur de la santé, pour les services financiers. Mais les trois normes ISO 27001, ISO 27002 et ISO 27005 sont vraiment les piliers fondamentaux de la série ISO 27000. Vous noterez que les normes de la série ISO 27000 sont référencées ISO IEC 27000. En effet, cette série est le fruit d'une collaboration entre l'ISO et l'IEC, un autre organisme de standardisation internationale. Dans le prochain épisode, on va commencer à rentrer dans le détail de certaines de ces normes.